C'est reparti les amis de YouTube. Nous allons continuer les aventures de The Witcher numéro 3 avec les quêtes secondaires. Nous allons attaquer les quêtes secondaires. Bon alors, tout ce qui est Gwent, le jeu de cartes, je le fais pas, j'aime pas, ça me dit rien, donc je zappe tout ça. Alors on va attaquer avec le sorceleur de pacotille. On va voir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut aller déjà? Ah bah c'est pas loin. Ça c'est pas loin du tout, c'est parfait ça, j'ai pas fait exprès en plus. Tiens, voilà, tiens. Allez Ablette. Ma petite bêblette. Oh toutou. Allez. Attends, je crois qu'elle a pas la bonne, le bon trophée sur... moi je veux celui-là. C'est quoi ça? Non, moi je veux bonus or. Voilà, moi je veux de l'or. Allez, on fait demi-tour. Plus vite. Et on va essayer de voir... On va voir ce qui se passe là-bas. Bon, ça devrait être des quêtes pas trop compliquées, c'est des quêtes de bas niveau, donc ça rapportera pas grand-chose. Mais bon, on va se les faire, hein. Il faut faire tout le bas, tout le jeu. Youhou! Waouh! Ah, c'est des goules, là. C'est des goules. Ouais, avec une goule. Ah, il y a des traces. Des traces de pas. Ah, ça va derrière. Merci. Oh, merci. Vous êtes arrivé juste à temps. Elle a perdu une goule. Une minute de plus et cette goule m'aurait gobé tout cru. Ah, mais c'est notre sorceleur en fait, qu'on a sauvé l'autre fois. Je n'aurais peut-être pas dû intervenir. Pas qu'on a pas tué. Votre style de combat est surprenant. Où avez-vous étudié? L'école de l'escargot? Mais ça n'expliquerait pas d'où vous tenez ce médaillon à tête de loup. Vous... vous êtes un sorceleur? Ah, c'est un faux. Un vrai? Quoi? C'est parce que je n'ai pas pissé dans mes brais devant une malheureuse goule que vous dites ça? Répondez. Ah, c'est un faux. D'où tenez-vous ce médaillon? Je l'ai acheté à un marchand itinérant. Oh, attention, voilà des villageois. Je vous en prie, leur dites rien. Ah non, c'est une usurpation d'identité, là, je suis pas d'accord. Et qui c'est celui-là? On a engagé qu'un seul sorceleur, pas deux. Je suis le seul sorceleur ici. Cet homme est un charlatan, un escroc qui voyage de village en village. Ah ouais, il fait une mauvaise réputation, non, sorceleur. Non, c'est pas... Je peux tout vous expliquer, je vous jure. C'est un menteur, un voleur. On a des lois pour les gars de son espèce. Merci de l'avoir percé à jour, maître sorceleur. Laissez-le partir pour cette fois. Je... Plus jamais. Je le jure. Ah, il a dû faire dans son le froid. Crétin, non. S'attaquer seul à une goule. Les choses seraient plus simples si la goule l'avait étripé. Nous voilà avec un beau dimlaine sur les bras. Bah, laissons-le partir. Mais t'approche plus du village, t'as compris? Revois dans le coin, on lâchera les chiens. Ouais. Merci. Hors de ma vue. Et il doit enlever le médaillon là, non? Sorceleur de pacotille. C'est pas bien qu'on les trace. Ça disparaît pas ça. Ah, c'est fini la quête. Bon, là c'est fini. On va faire la vérité dans les astres. Rendez visite aux voyants. C'était vite fait cette quête, hein. Cette quête turbo là. Bon. Je vais passer par Luct. Là, il y a un point d'interrogation. On va aller voir ce que c'est. Je me TP de là à là après. Allez. Oh, c'était vraiment une mini quête celle-ci. Ici, j'avais déjà visité il y a longtemps. Il n'y a plus rien à looter. Ah, si, tiens, il y a quelque chose. Non? Moi je l'avais déjà fait. Ça semble bien. Ouais, j'ai déjà tout fait ici. Intéressant. Pourquoi quoi les traces de pas? Je comprends pas. Normalement quand t'as fini la quête, c'est fini, non? On va
constat quand même, je sais pas pourquoi. Et là il me dit qu'il y a un corps. Mais. Ah j'ai pas looté la goule. Okay. Non c'est pas la goule ça. Bon soit. Allez on reprend Blette. Ablette, elle est à vous flaquette. Allez, on y va. On va voir ce qui se passe par là. Il y a un point d'interrogation. On se demande ce qui se passe là. Peut-être un petit trésor. Ou un petit repère de brigands. Ou un nid de monstres. On va voir. Ah, il y a quelque chose là. Elle m'aurait bouffé tout cru pour sûr. Les cadavres ont dû les attirer. Merci de ne pas m'avoir abandonné. J'ai eu de la chance dans mon malheur, comme qui dirait. De la chance. Drôle de façon de voir les choses. Vous êtes infecté. C'est pour ça que vous trimballez des cadavres. Quoi? Non. C'est mon boulot. Je suis bien payé pour ça. Le problème, c'est que vous n'êtes ni sorceleur ni mage. Vous n'êtes pas immunisé. Ça non. Je suis pas un sale mutant, Dieu merci. Mais je vous rassure, je tombe jamais malade. J'ai une santé de fer. Comment est-ce arrivé? L'issue a cassé. Alors, j'ai passé ma tête sous le chariot pour voir si je pouvais le réparer. Et juste à ce moment, un loup s'est mis à hurler. Ma jument a pris peur, le chariot s'est renversé et paf! Je suis retrouvé coincé sous les cadavres. Votre cheval s'est enfui. Oui, cette saleté a décampé. Pour une fois qu'il ne pleuvait pas, je me retrouve enterré sous un tal macabé. Vous allez devoir changer de chariot. Brûlez celui-là, et vite. Et si j'enterrais les corps dans le coin, ni vu ni connu, je peux encore le réparer ce chariot. Si quelqu'un apprend que vous avez transporté des pestiférés dedans, plus personne ne voudra vous embaucher. Et qui va leur dire, hein? Pas moi en tout cas. Vous tenez vraiment à répandre la peste dans toute la région? Non, vous avez raison. Bon, vous avez de quoi allumer un feu? Oui, on va te faire un petit pouvoir d'igni. Ah, je peux pas? C'est une nouvelle quête, ça? Je comprends pas. Comment ça s'appelle? Marchandise dangereuse? Ah, c'est celui-là. Marchandise dangereuse. C'est bizarre quand même. Pourquoi je peux pas les brûler? Ah, il y a des. Ah oui, des boules. Et des goules à looter. Attends, qu'est-ce qu'il dit, marchandise dangereuse? Aider l'homme à enterrer les corps. Et moi je crois que j'aurais brûlé la charrette comme ça, c'était bon. Hein. Et si je brûle? Ah non, ça m'a marché, tu crois? Ouais, ça marche. C'est ce que j'appelle une belle flambée. Merde. J'ai vraiment la chance d'être tombé sur vous. Merci pour votre aile. Et pour vos bons conseils. En voici un autre. Rentrez chez vous, brûlez vos vêtements et lavez-vous bien. Si vous voulez, mais vous pouvez me croire, je tombe jamais malade. J'espère pour vous. Adieu. Merde, est-ce que ça pue? Bon, ça c'est fait. C'est où que je devais aller? Je sais plus maintenant. Ah ouais, je vais aller visiter le truc là. Attends, la quête c'est... La quête que je devais faire, c'était ça, attends, non? Ouais, c'était ça, je crois. Non, c'est pas celle-là. Mince, alors c'est quoi la quête que je voulais faire? Je comprends pas. La vérité dans les astres. Ah oui, je devais me TP, c'est ça, ouais, d'accord. Mais je vais d'abord aller voir ce qui se passait là-bas, hein, c'est ça? Donc la quête, c'est bien la vérité dans les astres. La vérité est dans les astres. Okay. Je
je note pour être sûr. D'une aire, Ablette. Je devais aller voir là-bas ce qui se passe parce qu'il y a un petit point d'interrogation. Cette péripétie avec le marchand m'a fait. Ah, là, c'est ici. Un camp de bandits ? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Y'a rien, y'a personne ? Tout le monde s'est fait massacrer ? Bon, moi je vais tout looter déjà. C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ici ? Faire le tour, hein. Comme ça qu'on fait de la thune dans le jeu. Il n'y a pas que les quêtes, il y a le loot. Là, des fois on trouve des trucs intéressants. Tiens, je vais enlumer. Hop. C'était une troupe de théâtre, ça a un spectacle ou quoi? Ils sont tous fait massacrer, hein, ça c'est sûr. Pourquoi il y a un point d'interrogation? Je ne sais pas. Ça doit être d'une autre quête peut-être ce truc, je sais pas. Bon. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Y a rien, y a personne. Ça fait peut-être partie d'une autre quête. Bon bah tant pis hein. Y a rien qui se débloque. Il y aura un truc souterrain en dessous des roches là, il y aura un passage secret ou quoi? Une grotte? Je sais pas. Il y a des rochers là bizarres. Un orage. Manquez plus que ça. Ah ouais, ça c'est la merde quand il fait mauvais comme ça. On y a rien. Là, j'ai rappelé mon cheval. Ablette. C'est bien Ablette. Elle est belle la tenue du griffon, j'aime bien. L'armure comme ça. Ah bah y a des villages. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est? Hop, il m'a fait peur le gamin. Je m'attendais pas. Ah, je suis jamais venu ici, j'ai pas douté. Ah si, ça marche pas. Bon. C'est quelle ville ça? Oh bah c'est la ville où il y a le poteau, d'accord. Puis j'ai dû déjà du passé alors. J'ai pas pu débloquer ce point d'interrogation, je sais pas pourquoi. Lieu où artefact n'a pas été découvert, mais il y avait rien hein, quand je suis allé. Faut aller à Benkelam. Ok. Allez voir le voyant. Pas des marchands ici. C'est un petit village, hein, y a pas grand chose. Ah! Oh oui!
un réfugié. Ah, il y a un Ukrainien. C'est où l'entrée de chez le monsieur là? Ah merde, il peut pas passer à travers ça. Le vieux sage, c'est lui. On se connaît? Pas personnellement, mais je t'ai vu bien souvent. C'est un don. Je vois l'avenir, y compris le tien. Mais pas gratuitement, j'imagine. Je demande peu. Si tu as un morceau à manger. Tiens. Merci. Une belle offrande. Qui vaut bien une vision. Très bien. Allons-y. Je vois un loup blanc pénétrer dans une caverne sans fond. Il chante un hymne de démence et de désespoir. Invoque ce qui n'est pas mort et ne peut pas mourir. Ce n'est pas l'avenir. J'ai déjà vécu ça. Et tu as dû en entendre parler dans une balade. Avec l'âge, mon troisième œil se brouille. Mais si tu m'apportais de la racine de dragon... C'est une plante rare. Rare, en effet. Mais qui poussait naguère dans une caverne au sud-est d'ici. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Trouver la racine de dragon. Tu peux rentrer là ou pas? Pique une pomme. Bonjour madame. Petit coup d'eau. Ouais, y'a rien, les pauvres, ils ont vraiment fauché là. Bon. Alors, c'est où qu'il faut aller? C'est pas très loin. D'accord. Allez, alors. Mon cheval. En avant. Ablette. Allez, U. Adada. Tu es un dragon? Bon, par ici. Youhou! Mais quand ça glisse. Youhou! Bon, on va être près de l'entrée de la grotte. Un petit lapin. Lapin des neiges. Bon, on fait une petite sauvette. Ok. Plein de champignons. Hein. Sur quoi vais-je tomber? Je ne sais pas. Il a parlé d'un dragon, lui. C'est une quête niveau combien? Il ne le dit pas. Des bruits chelous, hein. Avec le casque, là... On entend crier des monstres. C'est quoi? Salut les filles! Mince, des goules! Coucou les gougoules! Alors, une fois... Bon, ça va les goules, ça vaut rien les goules. Oh, y a des bruits. Ah, il est là. Un monsieur mort. Tête de hache, sert à quoi? Oui. Ah là, il y a une trace. Racine de dragon. Ah bah voilà la racine de dragon. Est-ce que ça aide vraiment le vieil homme à voir l'avenir? Ouais, il est peut-être juste barjo. Hein.
Il y a quelque chose ou pas? Je vais voir dans le fond. Des fois, il y a des trucs qui se cachent dans le fond des grottes. Il n'y a rien. Il n'y a pas de loot. On entend des bruits de monstres, hein. Je sais pas où ils sont. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut retourner chez le monsieur. Oh, c'est des quêtes à deux balles, ça. Hein. Oh, j'ai envie de finir toutes les quêtes, sauf. C'est là avec les jeux de cartes, ça m'intéresse pas. Vous en avez bavé pour tuer ce tour? Non, ça a été. Ici, même la pluie. Ah là là, on s'est pas passé à cause d'une petite branche. Ça, c'est vraiment nul. Faire tout le tour. Voilà, monsieur le vieil astrologue. Oh, te revoici. Non, je veux pas jouer au cœur. Quoi. Voilà ce que tu m'as demandé. Merci. Cela va prendre un petit moment. Non. Ne me dis pas de repasser demain. Ah, il s'est shooté à la racine de dragon. Ça s'en va mieux. Je vois un loup qui avance pas à pas vers une tour solitaire au milieu du blizzard. Il suit l'hirondelle. Mais l'hirondelle, sourde au hurlement du loup, vole toujours plus haut, consciente du fait qu'il s'agit de son dernier envol. Est-ce toi, Tessé? Il en soit ainsi. Cherche les signes. Le monde périra sous les glaces et renaîtra sous un nouveau soleil. Il renaîtra du sang ancien d'En Iker. Il parle de Cyril, là. Une graine plantée. La prophétie d'Itlin. Laisse-moi. Pars. Tout de suite. Ah bon, voilà la peine. Mise à jour de la quête. Ben voilà, la quête est terminée. J'ai reçu 2 points d'expérience. Fantastique. Ah, ça m'a fait tellement plaisir, vous pouvez pas savoir. Mais voilà les amis, j'ai viens de faire 2 points d'expérience. Je suis trop ému par cette réussite incroyable. Je vais vous laisser là-dessus. Jusqu'au prochain épisode des aventures du sorceleur. Salut les gars, à bientôt. Yo!